principes, dans les normes, et faut que nous entendions nous pour nous connaître si nous sommes d'accord aujourd'hui pour nous violer le règlement intérieur là. Demain, qui comportement nous avons gagné par rapport à même règlement intérieur ça? C'est extrêmement important. Nous voulons être pour nous faire travailler la population vrai, mais il faut que la lumière qui fait sur tout point pour nous sortir bien. Là-dedans. Très bien. Merci, Président. Je vais même prendre le soin pour me répondre directement, parce que je crois que la réponse là, dans même intervention sénateur Adia. Motion d'ordre, Président. Motion, deuxième et dernière motion. Président, ici, nous sommes au niveau du pouvoir législatif. Nous ne sommes pas au niveau du pouvoir judiciaire. Et ceci pour rejeter la motion du sénateur Sénatus. De toute ma vie, Président, je n'ai jamais vu un œuf sortir de la matrice d'une poule. Tourner. Je n'ai jamais vu. Aller le tourner. De toute Aristide ma vie, tourner. Sénateur, je n'ai jamais vu. Ça a fait que le président Aristide, par la valance, par la valance, il a tourné. Sénateur, ce n'est pas de ça qu'on traite aujourd'hui, président. Sénateur Sénatus, s'il vous plaît. À chaud ou à froid, je n'ai jamais vu un œuf sortir de la matrice d'une poule et retourner encore au niveau de cette matrice, président. La résolution. Sénateur, s'il vous plaît. On s'était déjà penché sur la résolution. Une décision a été prise par la majorité des sénateurs ou de l'Assemblée sur la résolution. On a fait une demande, on a produit une demande de consultation de la résolution. Droit a été fait à cette demande. Président, le bureau ne doit plus rien à ceux-là qui avaient demandé que cette résolution leur soit soumise. Maintenant, la majorité qui avait voté sur la résolution demande que cette résolution ne soit plus en circulation au niveau de l'Assemblée et qu'on progresse, qu'on continue à avancer suivant ce qui a été dit lors de la retraite, Président. Merci. Merci. Oui, Président, c'est pratiquement dernière intervention que je fais sur le dossier ça. Même après le Président, moi je fais intervention. Hein. C'est parce que là, nous avons une assemblée politique et pour moi, prendre un témoin, je dis son assemblée éminemment politique. Il y a un sénateur là où il y a des prises de position à prendre qui sont capables de permettre de retourner sénateur encore. Il y a des prises de position à prendre qui sont capables de permettre de souffler ou aller plus loin. Moi, j'estime que je dis, dans ce que nous avons parlé là, moi, je ne suis pas capable de quitter ça au passé tout droit. Je demande des sénateurs qui sont sortis pour qu'ils sachent parce que nous allons consulter l'Assemblée, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas capable de quitter ça au passé. Je suis le président. Moins tant des collègues sénateurs qui renferment une série de formules juridiques doit l'ex et de l'ex. Et base intervention sénateur pour mon cap côté là, l'État capable de faire clouer nous ensemble avec bureau qui prend des pilori. Si effectivement population en ta quoi que véritable intérêt de base à c'est respecter règlement interne. Je dis à moi-même en tant que président majorité à je ne vais pas quitter ça à passer pour ne pas faire la population comprendre que souci premier, collègues, ce n'est pas vraiment respecter ni la loi, ni même enquête sous Petro-Caribé. Motion, Président. Pas de motion encore, Président. Pas de motion encore. C'est la dernière motion. Et... donc, le Président, si vraiment vrai dans quatre ans même, et ces dernières interventions m'ont fait sous ça, moi senti que collègues l'ont estimé que nous ne sommes pas capables de violer les principes. Même qu'à 10 collègues, là, m'a dit ça tout le temps, m'a dit, un yen de l'article 198 qui dit que c'est secrétaire rapporteur qui doit signer le président pour le valable pour nous être capable même parler d'un rapport. Voici le secrétaire rapporteur, il n'a pas signé. Et bien, ça n'a pas un règlement qui fait que collègue là-bas, je me dis rien sur ça. Ça veut dire que le peuple là, qui attend là, ce n'est pas volonté pour respecter le règlement. Même si nous avons une clé, article 198, c'est secrétaire rapporteur et le président qui doit signer. Ensuite, ce rapport dont on parle, légalement, c'est un rapport inexistant. Parce que son rapport inexistant, pour qui ça? Parce que le fait par une institution qui est illégale, sous fondement, parce qu'il dit pour former une commission spéciale, article 210, règlement interne dit que son résolution de l'Assemblée. Quelle résolution que tu formée, commission spéciale ça? Pour qui ça? S'il vous plaît. Président, m'a fini. S'il vous plaît, sénateur. Président.
Président Macron. Ok, bon, fini avec intervention. Donc ça veut dire que le bureau va devoir trancher. Très bien, président. Ça veut dire que nos collègues a parlé d'un cas de corruption comme ça, que tout le monde est conscient que la corruption a fini dans le pays. Et que il a l'impression que ceux-là qui ont voté contre le rapport que nous estimons qui est illégal, n'est pas fondé, alors que nous-mêmes, nous avons un argument fondé, normatif, qui fait que nous voulons le côté de Pibon, et puis que c'est nous-mêmes qui comptons Petro-Caribé. Ça grave, m'a regardé le président Yuri l'autre jour, qui a fait une intervention l'autre jour. À chaque fois, il a parlé, président, moi, il est venu pour me dire, il faut qu'il dise non, premier ministre, et qui moune. En plusieurs fois, Belle Rive, Michel Duvivier, Pierre Louis, et puis comme si je dis, moi-même, qui t'es calé, je t'avais fait quoi que, le monde pour aller dans le coup des côtes, c'est pour protéger Célestin, pour protéger Belle Rive. Qui s'en sait? Je dis, nous avons un fondement. Nous voyons que ça que tu as fait là, c'est politique qui t'a fait avec lui, et que le organe même qui fait pour faire, nous votons. Voter, nous voter net, résolution en nous dessaisie, l'y est en publié, bah ouais, comment président. Ça capable de retourner. Président, si la loi va ou doit, pour collègue le consulter dans le secrétariat général, mais le baba ou doit, pour retourner avec le bagage qui finit déjà. Je demande au président pour ordonner le secrétariat général là, pour nous faire archiver. Comme si collègues qui ont gagné, puis ont accès à la résolution, et puis vous nous continuez. Merci, président. Merci. Excusez. Bureau a estimé que pendant longtemps, nous débattons sur question. Bureau a croit que c'est non discuter ensemble, c'est non échanger ensemble. C'est à travers contradiction pour que nous levions le voile sur certains. Bagay qui était caprité à équivoque. Dans la dernière séance que nous avons gagné, nous croyons que nous avons assez débattu de questions. Quand nous avons encore, nous avons offert nous occasion et opportunité par respect pour les collègues sénateurs pour nous mettre pour ce verbal succinct de la dernière séance là, une dernière fois en discussion. Si Assemblée a permis, le bureau a estimé que c'est un moment pour nous consulter. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec le contenu du procès-verbal succinct de la séance du 1er février qui, en fait, a vu naître cette résolution que nous transférer que cette résolution qui a été adoptée ici à un niveau Assemblée sénateur. Si pas gain objection, nous allons aller consulter Assemblée. Allez-y, sénateur. Président, objection, non, c'est suite à toute discussion qui a été faite là pendant 2 jours de séance, le 20 et jeudi. Moi, estimé qu'il y a des faits qui n'ont pas été rapportés dans le compte rendu succinct et que nous avons fait état de haut, par exemple, décision pas être gagnée sur l'article 207 que nous avons soulevé sous des saisissements Sénat par rapport à la saisine de la justice. Là. Notez pour nous, s'il vous plaît. Moi, j'ai demandé que faut qu'il y ait une décision qui redit qui ça a été fait sous lui. Pas de décision que me t'étendre nous te li sous question préjudicielle ça que me soulevé a moi estimé li extrêmement important si bureau rendre compte que dans compte rendu a gen bagay qui pas dit par rapport à procès verbal dernière séance là côté toute bagay était écrit, puisque vous avez la compte rendu succès, que bureau a demandé au secrétariat général là pour chercher décision pour moi dans le rapport, dans le procès verbal de séance. Là. Merci. Deuxième bagaille, président, nous voulons que nous demandions, puisque à travers résolution 1er février 2018, là,
li pa fè état nan quatre articles yo ki sa le fait du rapport Petro-Caribe yo moi fèk sot li un texte là qui sur réseaux sociaux yo côté moi président écrit à la Cour supérieure des comptes il dit pas gain de rapport gain un seul rapport l'état d'évangile là beaucoup fin l'île moi même penser l'étape extrêmement important pour nous connaître qui ça rapport ça yo devenu puisque le Sénat a été saisi par la lecture des conclusions de ces deux rapports. Je voulais parler du rapport La Tortue et rapport Bouplan. L'extrêmement important pour nos présidents, pour le bureau a dit, qui ça qui fait de rapport ça. Merci. Je demande au secrétariat général là, pour lui noter aux remarques qui fait par et exigence qui est faite par le sénateur Senatus. Et nous-mêmes, dans le niveau bureau, nous avons acte et nous demandons de noter ça pour nous dans le procès verbal. Objection, sénateur. Sénateur Dumont. Objection. Objection, oui, mais par rapport à certaines choses qui ont été dites et par rapport aussi à des décisions qui ont été prises. Formuler objection de la même manière, s'il vous plaît. Premièrement, je ne sais pas quoi gagner un monde ici, un sénateur ici, qui fait forcément des attaques ad hominem. C'est-à-dire, à pas attaquer le monde. Nous ne pouvons pas attaquer le monde. En tout cas, moi-même, je n'ai pas gagné attention à ça. Position qu'un sénateur prend, et je me réfère à la dernière sortie de collègue Augustin. À la limite, interprétation capable d'interpréter que un collègue prend une position de parti qui pourrait ne pas être sa position personnelle. À part ça, moi pas aller dans un coin que un tel c'est tel bagaille livré. Non. C'est ça on monde fait. Là ça me pas besoin d'interpréter puisque sous sorti sous entrée, on pas besoin de dire que je n'ai pas fait aucune phrase sur ça. Ça, c'est une. Deuxièmement, maintenant, pour le Sénat. Le Sénat. De temps en temps, nous parlons de corps. Son corps que nous y est. Et puis, quand même... Les objections, s'il vous plaît. Mais les objections, c'est que, je dis en président, devant la nation haïtienne, nous décider, mais vraiment de revers de main, un rapport que nous baillons, une collègue nous y est. En toute conscience, en notre âme et conscience, pour le faire, un travail, lui fait, nous dit faut l'approfondir, lui approfondit, et puis nous mettons en l'air, nous mettons en l'air, nous allons le président. Personne ne va qu'on sort. Monsieur président. Quelle est la décision président, du Sénat concernant le rapport La Tortue approfondie par les travaux de Beauplan. Merci. Monsieur président. Personne ne va connaître. Mais vraiment, dernière motion. Je dois pouvoir consulter l'Assemblée maintenant. Président, pas de sénateur qui l'a dans la salle là, quel que soit appartenance li, quel que soit tendance li, qui n'est pas d'accord avec le fait que le pays a une corruption, que le pays a un volé. Pas de monde dans la salle là, comme sénateur qui n'a pas quoi que, dans le Petro-Caribe, qui fait chemin cochu. Mais il y a dans la salle là, des monde qui n'est pas d'accord, gens qui ont fait un rapport là. Sous rapport partisan, ou rapport me retirer volet par me serrer, et puis mettre l'autre volet, la donne. C'est là, oui, la question, président. Oui, non, c'est là, non, je parle pour terminer, je parle. Oui. C'est quand même qu'on parle que, là. Il faut que nous gagnions. Je parle. Faut que nous disions ce que nous faisons. Je parle. Président, faut que nous disions ce que nous faisons. Je parle. S'il vous plaît, je parle. Sénateur, c'est lui qui a la parole. Je parle. C'est le sénateur. Je parle. Je parle. Le sénateur Cantav, continuez s'il vous plaît. Là, par exemple, Guéier, par exemple, sénateur Dumont qui dit, faut que courage pour différents rapports. Comme quoi dirait, en dans sa langue, des sénateurs qui t'accomplissent avec les gens qui t'apprennent comme dans le Petro-Caribe, tout sénateur la net,
nous tous d'accord que c'est l'argent qui garantit. Maintenant, ce n'est pas le procès de Petro-Caribé que nous sommes en train de faire, Président. Nous sommes en train de faire le procès du rapport. Et rapport là, à travers la résolution qui a été prise, nous dit qui ça a pu faire avec rapport A. Et collègue la connaît, et l'île, mais il n'y a pas fait répéter, Président. C'est pas vrai. J'ai la parole. C'est pas vrai. J'ai le président. J'ai la parole. Président, j'ai la parole. S'il vous plaît. J'ai la parole, président. Le sénateur, Cantave a la parole. Ouais, oui, mais ça, on va parler. Ou pas d'émotion. C'est monnaie courante ici. Ou pas d'émotion, ou même ça. Ou pas d'émotion. S'il vous plaît. Aucun n'est pas d'accord, quand même. Mais quand même, il a l'émotion. Le sénateur Sénatus n'a pas la parole. Attention, sénateur Sénatus, quand même. Le sénateur Sénatus n'a pas la parole, Président. Quand même, sénateur. Quant à vous, continuez, s'il vous plaît. Président. Mais il faut raccourcir. Nous partageons qu'on l'a ensemble. Nous sommes des collègues, nous respectons l'autre ici. Et nous croyons que nous respectons l'autre pour l'autre. Nous avons les pièces prises de parole et signé que dans ça là, tout collègue qui est en majorité, qui décide de pas faire même route avec un rapport, c'est volé. Ça, moi je veux pour l'enterrer aujourd'hui. Non, non. Ça, moi je veux pour l'enterrer aujourd'hui. Pour collègues, pas quoi que, ils ont propre et leur collègue sale. Moi-même, ça, toi, quand tu as pas coup. Tout le monde qui passe, moi pas qu'il y ait une offense. Les volets ont volé l'argent pour le Caribé. Et des gens sale là qui te volé. Et même c'est des hommes de ah, à ma jodie, Président, Président, qui tel conclut, sénateur, sénatus. Président, merci, sénateur Cantave, continuez. Président, moi pensez qu'il faut diriger la séance là avec autorité. C'est pas possible, sénateur. C'est pas possible. Et pas ça. Moi, mon besoin dit, s'il vous plaît. Moi, mon besoin dit, besoin placer un mot, s'il vous plaît. À chaque fois qu'on collègue, qui m'a dit la parole, je prends le soin, je vais collègue là la parole. Si vos motions que sollicité de collègue là, nous permettent que collègue là prenne motion, nous avons toujours suggéré et souhaité que motion soit la plus courte que possible. Et nous avons contenté par la même occasion et que l'on collègue a parlé, leur bureau a, au moins. Sonnez cloche là. Sénateur Delva. S'il vous plaît, sénateur Delva, sénateur Jacques Sauveur, les deux artistes, s'il vous plaît, sénateur. Les deux artistes, sénateur, que nous prend. Merci. S'il vous plaît, sénateur, s'il vous plaît. Sénateur, jusqu'au moment qu'on a parlé là, nous ne pouvons pas capable de dire personne ne vole. Voler. C'est ça que vous voulez signer là. Et ça, seulement capable de porter pour nous comme précision. Pourquoi un tribunal qui prononce, qui dit X volé ou bien Y volé. Il y a des suspicions, je dirais légitimes, sur certains mondes à travers certains éléments qui contenus dans le rapport. Et sous bazar, je demande à tous les collègues sénateurs, pour qu'ils soient sereins, calmes, je demande aux sénateurs, quant à vraiment fini avec motion, non, pour nous retourner la parole au sénateur Dumont pour le conclure. Oui, merci, Président, sénateur. Pour finir, moi voulais, quoi que m'a parlé là, Président, son droit m'a comme sénateur pour me parler. Tout comme n'importe qui sénateur parle, au grand droit pour parler. Et là, on a parlé, faut que, Président,
ou c'est que l'autre sénateur garde silence. Parce que sénateur, sénateur, si tu as parlé, quitte le parler. Je connais ma parler, il suppose qu'il t'aime parler. S'il veut promotion, la promotion. Mais pas qu'à tout baisser, ça m'a dit. Parce que d'aller, m'a quitté le parler. Président, m'a dit, fini pour me dire que moi, pas de green zone, non, car au fait, tout le monde ne connaît pas comme. M'a pas de garde en volé que vous croyez, ni que vous suspectez. Je dis à lui, important pour me dire, et m'a très clair. Pas de pièce monde qui a fait rapport crochillon, pas de pièce monde qui a fait rapport partisan, yo se révolant pas yo, et puis pour porter rapport, ben voter moi-même. Tout le monde a une position, c'est pour la justice que là. Si on fait un rapport injuste, ou a serré partisan pour qui volait, ou a mettre l'autre monde qui pas volé, ou bien qui volait, je ne sais pas, en dans rapport là, soit pas attendre que nous-mêmes. La faute est rapport ça, nous pas marcher. C'est ça nous voulons dire nation. Hein. Que nous d'accord que, qui vole, mais rapport au bail là, son rapport qui est fausse côté, et bien faut que nous instance, tant que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui est apolitique, pour pencher ce rapport là, pour que le rapport là, nous prenions nos décisions contre nous-mêmes, nous quatre chers finalement. Merci beaucoup. Merci. Sénateur Dumont, vraiment, c'était la dernière motion sur l'intervention du sénateur Dumont. Oui, non, ça, alors, permettre que le sénateur Dumont calmement finisse l'intervention. Même si je me suis l'éternité pour me finir, ça me dit. Oui, je n'ai pas pris une éternité, ma, vraiment, ma, pour finir. Je viens de deux minutes. Oui. Je me suis dit, sénateur Cantave, que en aucune manière, en tout cas, moi-même, dans la prise de parole, moi, concernant Petro-Caribé, je ne peux pas longer mes sous personne monde en particulier. Encore moins vis-à-vis de lui-même qui sont collègues. Deuxièmement, il est évident que cet argent dilapidé, il n'est pas capable de ses zombies prendre. Troisièmement, que gagner un paquet des autres dans un rapport. Mais ce rapport a été commandité, a été commandé par le motion, Sénat. Motion, président. C'était la dernière. Oui, dernière motion. Non, vraiment, la dernière, c'était avec le sénateur. Président. Mais dernière, président, c'était avec le sénateur Cantave quand même. M'a dit au président. Non, s'il vous plaît. Non. Sénateur Kedde, avec tout respect que j'ai pour vous, comme chef majorité, mais c'était dernière motion que... Première. Ah, c'était la première. Oui. Bon, allez-y. Merci, président. Même d'avoir le coupé rapidement à l'ordre, président. Et même si vous avez le coupé. Et président, sénateur Dumont, pas de mauvaise foi, j'aime penser. Mais jusqu'à présent, il y a pile bagaille, moi, sénateur, pour que j'aime comprendre dans l'État. Parce que j'en ai parlé là, où elle a une bonne foi, mais il y a une bagaille que je ne pas connaît. Et qui ça, sénateur, pas connaît, je dis, il ne connaît pas que l'Assemblée a fait une commission, font rapport, c'est en fonction de loi. Par exemple, c'est une commission spéciale, à l'article 210 là. Son résolution qui doit prendre plus forme et commission ça n'est pas fait dès le départ. Deuxième bagaille, rapport ça l'a parlé là, son rapport qui est inexistant. Pour exister, il faut qu'il soit rédigé par la personne compétente. Article 198 n'est pas fait. Troisième bagaille, sénateur Dumont, pour apprendre. Troisième bagaille, sénateur Dumont, pour te dire rapport ça bon là, il faut qu'il te vote, il te accepte. Bon, il n'y a pas voté. Il n'y a pas accepté, il n'y a pas parlé de lui toujours. C'est donc vous voulez dire que l'opinion pour la c'est pour passer. C'est si nous devons voter, nous existe, pour ne pas voter, nous pas accepter. Et puis, dernier bagaille, m'a dit. Pour les amis, pour sénateur, sénatus. S'il vous plaît. Dernier bagaille, m'a dit. Sénateur, pour intervention. Je vous permets de faire intervention. Dernier bagaille, m'a dit, pour sénateur, sénatus. Ok. Pour une objection. Dernier bagaille, m'a dit, okay. Président. Dernier bagaille, m'a dit. Sénateur, sénatus, font silence, non. Dernier bagaille, m'a dit, président. Évidemment, il n'y a pas dit que. Ou pas dit clairement corrige-t-il. Mais en même temps, Abdou, le rapport de Yuria Tortue, nous pas dit clairement ni nous accepter jeter. Non. Nous avons dit, menti. Rapport Yuria. Est-ce que nous avons dit nous accepter ou nous jeter directement? Non. Au contraire. Oui. Nous avons fait science avec le sénateur Beaublanc. Nous battons avec moi, nous disons pour le sénateur qui doit chiter là, parce qu'il a chevauché, c'est même rapport, il n'a pas été rejeté. Je dis à nous pas venir dire séance là. Nous n'avons pas laissé ensemble pour nous garder quand nous avons dit sénateur Yuria Tortue qui doit chiter là. Parce que son rapport n'a pas été rejeté. C'est continuité liée. Donc je dis à de qui ça n'a parlé là, nous avons une pratique parlementaire qui fait que sénateur qu'on utilise une stratégie, puis on vote et puis on rejette. Mais nous t'ai dit clairement que rapport à partisans, n'en font ni pas bon, ni illégal, et que organe qui est compétent pour ça, c'est coup des comptes qui relève article 200 constitution. Et ensuite,
pour moun kap pale yo. Bon nous dit là pas compétent déjà parce que c'est tribunal ordinaire qui compétent. Mais quoi nous dit ça déjà? Si nous on se bagaille moi dit nous en tant que technicien décision qu'a prendre tribunal ordinaire. Dernier côté le cassé juridictionnellement, c'est devant la cour de cassation. Alors que ça directeur général il a besoin comme décharge là, les fin by arrêt de DBA, il a disposé d'un recours encore devant cour de cassation. Combien de fois pour cour de cassation va prononcer son affaire? Et c'est ça me demander. Merci. Et c'est ça que me dit ouais. Et c'est ça du mon pas carré, m'pas pardonner, mon pas carré ça. Merci. Non, pas grave. Non, pas grave. Motion encore. Pas motion encore. Président. 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 Continuez, sénateur Dumont. Merci beaucoup. Et déjà, toutes deux motions, yo, prend plus de temps que prise de parole là. Sénateur Augustin, non seulement m'a toujours gagné bonne foi, mais raison moins, rationalité, bon, mon petit chance pour me comprendre les hommes et les choses de mon pays et du monde. Le yon pouvoir tel que le Parlement, le législatif, dans la branche sénat, prend une décision, lui confier une mission à l'un de ses membres. Moi, dit lui confier une mission à l'un de ses membres. Ça veut dire que pour lycée chef commission, lui fait travail là. Kounia, lui approfondit. L'Assemblée, le Sénat, gagne pour devoir, pour le statuer sous lit, et pour le dire, ou le suspendre, travail ça, il n'y a pas besoin de rapport du tout, il est capable de faire là ça, oui. Mais, parce que les gens qui ici, puis font nous connaissons devoir de citoyens, nous, moi, quoi, nous tape dit, rapport là bon ou bien rapport là pas bon. Nous pour lui ou bien nous pas pour lui. Il se trouve que nous pas fait ça. Sénateur Augustin, nous était en l'air. Donc, il faut que. Sénateur Kata, vous permettez que je parle. S'il mais... vous plaît, s'il vous plaît. Vous acceptez le mandat approfondi. Oui. Sénateur Dumont, vous avez terminé. Écoutez, sénateur, président, honorable président, honorable président. Sénateur Dumont à la parole. Enfin, certains d'entre nous se déclarent clercs. Ils sont effectivement clercs de la cité. Comment n'a fait dit la jeunesse haïtienne que nous faisons travail et puis nous dit yon institution qui dépend de nous-mêmes, parce que c'est nous-mêmes qui nommons yo, c'est nous-mêmes qui choisissons yo, et puis nous dit nous-mêmes nous parlons de nos corps, nous c'est pour là. Ou même à le dégager ou. Mais que Sénat assume responsabilité claire. Je répète, ça qui travaille Sénat, c'est pour l'elle prend rapport approfondissant, l'y analyser calmement, l'y dit, travail la partial. Comme l'impartial, il faut que nous rendions impartial. Nous approfondissons toujours. Pas que problème, nous continuons. Nous ne sommes pas capables de mettre en l'air et puis nous dire, Cour supérieure des comptes, dégagez-nous, parce qu'elle a trois choses même. Moi-même, d'arriver fini prise de parole, moi-même, là. Sous quelques insinuations, si nous-mêmes, accusations. Les objections, les objections. Sénateur Kata, c'est une objection liée. Que sénateur Kata. Parce que je ne peux pas noter rien. Parce que ça crée, c'est que je ne peux pas noter aucune objection. Parce que là, le sénateur Sénatus était clair, précis. Mais il faut que nous clair, précis, c'est des objections que nous avons faites pour consigner nos procès verbal. Oui. Oui. Président, président, concernant. Sénateur. Concernant le fait que. Dumont. Tu as gagné des groupes sénateurs qui ont protégé et qui ont écrasé. Moi-même, l'aile à pluie a tombé. Moi, besoin de vous éteindre, je vais faire inondation. Parce que nous tous, des gens qui sont contents, parce que la pluie tombe. Moi, c'est parce que j'ai besoin de vous éteindre. On a l'autre monde qui est content parce que les besoin d'inondation pour racheter jardin, ce n'est pas qui concerne les gens. C'est même pas là pour mettre au Caribe. Si des gens qui voulaient faire
attaquer les gens qui ne sont pas pour lui et puis pour protéger les gens par lui, ça c'est pas concerné. Ok, je note les objections, sénateur. Les objections, maintenant, je note. Objection. Je note. J'objecte ceci. Le rapport dit Youri la tortue, approfondi par le rapport dit Beauplan, sénateur Beauplan, pas sorti dans le Sénat de la République là, par en discussion, en débat, à l'issue de laquelle ou duquel, discussion ou de laquelle, débat duquel, ils ont décidé en leur âme et conscience que ils ont rejeté ou bien ils ont pourri. Je défends quiconque sur la base de la définition des mots français utilisés dans le soi-disant rapport résolution, merci, pour t'a montré que gros côté ils ont dit une décision qui concernant rapport à dans quatre articles que résolution guerre. Très bien, merci beaucoup. Et deux, s'il vous plaît, grand ensemble de sénateurs qui ont dit mettre au vote. Mais quand des sénateurs sollicitent la parole et que je ne peux pas avoir la parole, je ne suis pas capable de mettre le vote. Alors, ça a connu là, tout sénateur qui a précipité mieux, moi, je suis mal à l'aise. Parce que c'est président mieux. Et le sénateur m'a dit la parole, au rôle, moi, c'est distribuer la parole. Très bien, président. Au rôle, moi, son rôle messager. Je fais pour me porter, ça, assemblée sénateur a décidé de porter l'aller. Très bien. Alors, il faut que nous prenions un petit temps pour me gérer ces instants, pour ne pas passer parole là-bas. La parole au sénateur La Tortue. Merci, président. Et. Pas un choix. Il faut qu'on fasse. Président. Et leur bureau a tranché tout. L'a tranché en fait contre tous. Très bien. Et sans appel. Très bien, président. On va faire une menace, non? Non? C'est l'assemblée qui a tranché. Et pas moi. Moi-même, je ne vais pas décider. C'est l'Assemblée à Cap-Tranché. De toute façon, la parole au sénateur La Tortue et ensuite la parole au sénateur. Dieu. Ou pas même dans la liste. Sénateur Bélizer, ensuite sénateur Dieudonne, ensuite pour finir. Non. Les sénateurs Sénatus et le sénateur Salomon pour conclure. Et bureau a consulté l'Assemblée. Quelles que soient les conditions, bureau à consulter l'Assemblée. Merci. Mais c'est quelles que soient les conditions, il faut qu'on consulte l'Assemblée. Parce que c'est l'Assemblée. Nous sommes assemblée politique. Mais c'est la démocratie qui va le faire, qui va le prévaloir. Merci bien. Président, merci, président. Président, moi, pas long. M'a simplement porté un éclairci. Et président m'a demandé pour noter objection. Objection du sénateur La Tortue. Notez pour nous, s'il vous plaît. Maintenant, l'éclaircie avant, président. Monsieur Montichans. Les sénateurs, s'il vous plaît. Il y a le sénateur La Tortue qui gagne en objection que nous avons consignée dans le procès verbal là. Président, le 23 août 2016, c'est une séance sous premier rapport là. Et l'Assemblée a été pour une décision. Alors c'est éclairci là. Côté que ils ont accepté le rapport là, mais ils ont demandé un approfondissement. Et ils ont demandé, mettons, l'autre commission. Ça, c'était la séance du 23 août 2016. Maintenant, l'objection, président. Article 219 l'a dit. Le débat en séance publique qui suit la présentation du rapport de la commission est clos par le vote de toute résolution relative aux propositions contenues dans le dit rapport. Donc l'objection, président, dans la proposition, dans la résolution, justement, moi, elle n'a pas obéi à l'article là, et moi, fait objection puisque il n'a pas décidé ce rapport là, selon l'article 219. Merci, président. Ça serait un appel au règlement. S'il vous plaît, sénateur. Oh, oui. Ça va faire appel au règlement de la même façon. Rappel au règlement, tout dit où l'Assemblée tranchée, tout qui est tranché. Il dit où ça, toi? Bon, merci. Encore un rappel au règlement. Notez pour nous, s'il vous plaît.
La parole maintenant au sénateur Dieudonne. Sénateur Dieudonne, ensuite le sénateur Bélisère. Merci, Président. Président, collègues, moi prends la parole parce que généralement, je prends toujours la parole presque en dernier pour me porter éclaircie pour la population. Parce que je veux comprendre la discussion qui a passé là. Moi-même, Dieudonne Luma Etienne, je vote pour la résolution parce que je veux combattre avec toute force moi corruption. Résolution en clair. Nous avons deux rapports qui pas qu'à entendre entre eux. Nous avons deux rapports qui pas qu'à quitter souvelé, pas qu'à harmonie dans deux rapports. Nous estimons que eh ben, c'est pour institution qui en dans pays qui a un rôle pour que yo capable à le vérifier, à le faire exercice par rapport à moun qui t'a géré fonds pays. Nous demandons pour institution ça prendre responsabilité. Mais moi-même, à aucun moment de la durée, moi pas jamais compte que eh ben fonds pétro-caribéen gestion fonds t'es mal fait. Et prend le soin de mentionner ça, c'est parce que me senti mon tendance cap dégager côté population à comprendre un groupe moun dit yo pour un groupe moun dit au compte. Moi-même je pense que même venant avec tout l'autre monde qui a voté pour la résolution, nous contre toute forme de. Non. Nous contre mauvaise gestion, nous contre ça, tout le monde a pour maintenant, tout pays, je dis, tout partout, à l'étranger, tout partout. Nous contre Jean de Baïsao, nous pas pour Jean de Baïsao. Mais ça nous-mêmes, nous clair là dans la jodie, nous clair que. Monsieur le sénateur. Nous prenons résolution, hein. La motion est automatique. Sénateur Célestin. Président, pour me compléter ça, sénateur Dino Dabdia, je vais faire une motion pour l'autre sénateur. Administrativement, au grand tribunal qui est important, c'est la Cour des comptes. Le fait que le rapport est douteux, qui dit, en dehors du rapport, il y a des retirés, il y a des grandes instances pour nous contacter, c'est la Cour des comptes. Parce que, mal sur le président, la loi sur fonction publique fait obligation aux grandes instances qu'il a pour garder gestion tout ordonnateur, c'est la Cour des comptes, parce que c'est lui-même qui étudie autant citer tout contrat pays à bail, quel gré à gré, quel appel d'offres. Deuxièmement, la commission sénatoriale a travaillé pour. C'est moi qui ai la parole, c'est pas moi. Président, toute commission sénatoriale, qui travaille là, y a travail pour compléter la Cour des comptes, mais pas peut-être pas parce qu'il n'y a pas aucun monde. Parce que la loi sur la fonction publique protège toute grande dignité de l'État. Qui voit nous-mêmes comme sénateurs, je dis là, administrativement, les ministres en fonction, nous battons le budget, la gagote comme là, nous interpellons, nous mettons fin à mandal. Les ministres n'ont pas fonction qu'on y a là. Si nous avons doute sur gestion, nous avons demandé la Cour des comptes pour enquêter sur gestion ministre. Parce que le dernier tribunal qui va décharger, c'est là. Ok, c'est là l'attendu. Travail nous dit, commission anticorruption faire, c'est travail, commission de charge. C'est Wally, c'est la Cour des comptes, écrit parlement pour dire tel ministre. Continuez s'il vous plaît, sénateur Rouni. Président, vous avez une objection après. Oui. Sénateur Rouni, continuez sénateur. Bon, président. Oui. Sénateur. Président. Attendez bien, président, techniquement. Administrativement, commission pour qui est-ce que travaille? C'est pas pour la Cour des comptes qui travaille? Ou bien on rapport tous les doutes, je veux la Cour des comptes en fait sur lui. Nous devons voter rapport pour ou contre, nous voulons la Cour des comptes. Les difficultés de lui. Dis-le que nous devons dire rapport pas complété techniquement, oui, pour faire compléter lui. Je dis à si gagner résolution qui prend sous rapport.
les d'autres administrations. Monsieur Radé. Non, oui, moi, vous n'êtes pas là. Mathieu, non. Mathieu. Pas me dire. Président, monsieur, s'il vous plaît, moi estime que l'atmosphère là pour un collègue intervient. Rapport ça au détenu. Le sénateur a fini avec intervention. Les ministres, les citoyens en fonction, allez pas en fonction. Dans la fonction, nous sommes régulateurs, nous avons un pouvoir de contrôle pour nous contrôler, dépenser par rapport avec le budget de Bali. Les pas en fonction. Nous devons avoir une doute sous gestion, nous demander la Cour des comptes pour enquêter sur comment citoyen a dépensé comme pays. La Cour des comptes fin enquêter, la produit un rapport, la voie la commission de décharge. Pour dire citoyen, est-ce qu'elle a une décharge, est-ce qu'elle n'a pas une décharge? Et pas le Sénat, c'est la commission de décharge. Je dis à la manière de faire discussion sur des bagages techniques pour nous faire mon rire. Même moi, parce que. Oui, faut qu'on fasse bien, parce que son motion. Non, non, sous. Mais son motion, le point. Non, précision, là. Président, parce que là, c'est important. Oui. Président, permettez. En précision, en motion, c'est même pas là. Oui, mais quand même. Il y a un bagage qui. Ok, allez-y, sénateur. Très bien. Exceptionnellement. Exceptionnellement, merci, monsieur le président. M'a dit pour l'Assemblée, Sénat. Cour des comptes a voyé rapport seulement pour les ministres, les directeurs et les autres, ils vont le voir à qui de droit. C'est précision ça que me devait voter, monsieur. Pas seulement les ministres et les premiers ministres. Oui. Ok. Sénateur Rony, m'a rappelé que c'est en motion qu'on prend. Alors, il y a 30 minutes pour conclure. Pas oublier, président, tout directeur général qui est ordonnateur, qui paraît devant le Parlement, ministre, c'est président du Conseil là. Il prend charge les gabegies administratives. C'est ça qui fait la Cour des comptes, à devant l'instance qui concerne. Mais je dis à la même débat qui fait la commission anticorruption, il est là, effectivement, pour enquêter sur tout acte gouvernement. Dans la fonction. Si le gros doute, dont ancien ministre a écrit la Cour des comptes pour demander, pour enquêter sur gestion ancien ministre, laisse à la Cour des comptes, à part cheminer par rapport à la voie belle, la commission de décharge. C'est pas Wallo ça. C'est pas tribunal. Merci beaucoup, président. La commission de décharge, bien certainement, saisie via le bureau. C'est à toi, je donne. Justement, président, pour me finir, je souhaitais que la population comprenne la position nous-mêmes qui avons voté pour la résolution. Nous voter parce que nous voulons éviter toute forme de confusion par rapport à X ou par rapport à Y. Nous disons que y a une instance qui chargeait de juger les actes de l'administration publique, qui c'est la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif. Et nous demander pour prendre responsabilité. Donc, moi-même, intervention, il inscrit dans le sens pour que les clair pour la population haïtienne, pas qu'il y ait nous qui avons voté la résolution, qui pas admettre et d'accord que la gestion fonds pas bien faite. Et c'est pour ça, justement, que nous demander sans parti pris, sans force côté, pour que la Cour des comptes utilise technique que les gagnent pour le capable faire lumière pour la population, qu'on est. Qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison? Merci, président. Merci beaucoup. Sénateur Bélizer. Président, nous avons pris motion déjà et nous allons dans le même sens motion que nous avons. Président, nous avons un collègue qui souci de gagner et les collègues yo, te présenter question Petro-Caribé pour te gagner une enquête qui fait sous lui. Mansé, c'était très bien. Même pas un souci collègue qui te venu avec le dossier ça, c'était souci pour te gagner la vérité sous question ça. Mais sénateur Yuri te présenter un rapport et que l'Assemblée sénatoriale
te juge que li pa complet sou travail ou bien ou pas suffisamment édifié, et bien ou te demande pour que gon commission qui formé pour al continuer travail ça. Je pense que quelle que soit commission en dans Sénat, quelle commission permanente ou bien commission spéciale, il y a travail pour l'Assemblée. Donc, en dernier ressort, c'est l'Assemblée qui peut décider. Même un collègue là, je dis que il y a un collègue là, y compris président, bureau, collègue Yuri, collègue Sénatus et collègue Belizer ou autre, qui pas intéressé pour que y ait lumière qui fait sous fond ça. Nous tous, nous avons le même objectif. C'est madame président, rapport ça, moi dit là encore et moi dit li dit li contredit. Et li pas ba aucun espace pour que nous-mêmes en tant que sénateurs de la République pour nous dire bon, ça qui dit dans rapport yo gen en quelconque vérité qui capable permettre lumière te fait réellement sous fond ça. Moi-même, moi, quoi que collègue connaît bien, même Jean, l'autre collègue a rappelé et n'a pas rappelé la population, hein? Volonté nous tous, c'est pour lumière faite. C'est pour que moun, effectivement, qui détourne font ça, eh bien, ils prennent sanction qu'ils ont mérité. Et m'a pris prendre ni rapport qui était fait là, pas permettre travail ça fait. Il ne pas permettre la justice faire lumière sur question ça. Moi, quoi que j'ai des collègues qui ont des intentions, des ambitions politiques, c'est droit. Moi, m'a dit, collègue de grâce, bail la Cour des comptes, qui est la seule institution qui est responsable pour faire audit sous comptable et ordonnateur, fait travail. Même pas qui intéresse les collègues qui ont gagné, je dis à vous essayer. Juste pour faire ça, sensibilisation, faire machination politique, à essayer de détourner l'esprit population sur une simple question qui a traité de manière rapide et facile. Voilà que ce deal, bon, m'ba ouais qui ça, élection pour compris. On a dit c'est élection après, collègue, à essayer ouais comment pour sensibiliser, moun manipuler, moun et puis, et après, au lieu que nègre chita, je dis, sur question pour nous bailler. Institution qui est la Cour des comptes, la responsabilité pour le faire travailler, et c'est que nous-mêmes, à partir des résolutions nous faisons, nous contentons, nous avons fait dilatoire. Moi, je dis, collègue, là, toi, je me grand pile respect pour l'expérience, pour tout le travail qu'on a fait, pour mener un bureau, pour un bon travail. Motion, président. Mais je dis, motion. Motion accordée. Et puis, qui ça opère? Comme si, contendance, comme si nous voulions la péri dans la Cour des comptes, comme si nous détruisions l'enquête là, pendant que c'est constitution avec deal. Bon, admettons que Cour des comptes t'a trompé vigilance, nous-mêmes comme sénateur pas d'accord. Mais c'est nous-mêmes encore qui catrature devant la haute cour de justice, comme au dernier recours pour si on était bon nous mentir, oui. Donc moi je pense que je dis, si on te prévoit des bagages, j'en collègue l'a dit là, depuis nous sortir, nous tombons dans des bagages politiques, bagages folkloriques. Donc je dis à moi je pense que j'en dis à bagaille terre à terre, attaquer le monde. Et puis c'est politicien nous et tout. C'est légitime que nous voulons tourner sénateur. C'est légitime que nous voulons président. Mais c'est pas son dossier pour nous faire. C'est pour dossier à faire dans l'intérêt peuple là. Et façon nous faire là, elle a le devant juger un collègue là, dit là, nous détruire Petro Caribe parce que techniquement, il n'y a pas le craser. Quitter le monde dans faire. Merci. Terminé. Oui, président. Président m'a terminé parce que collègue. Il y a plusieurs collègues qui passent plus que 30 minutes à parler. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler pour parler, nous parler pour 10 collègues. Motion, président. Allez-y, sénateur Dumont. Président, sénateur Augustin tombé dans une théâtralité, il a laissé à votre ville. Sénateur Augustin. Aucune objection encore. Après. N'a pas noté une objection pour vous. Sénateur Augustin. C'est pas. Sénateur Dumont. Oui. Au papa, c'est au, sans la, la motion qu'on prend au prend. Si ce n'est Belizer, s'il, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Motion qu'on prend au prend son motion sénateur Augustin point. Et par conséquent, merci la, pour la correction. Pa, parole là, le motivo. Non, pas qu'à dire ni, non pas qu'à dire ni président. Ouais. Sénateur, sénateur Belizer, continuez. Bon, la prochaine fois la prochaine fois, on va mettre au souverain chemin. Ah, mais d'accord. Allez-y, continuez, sénateur. Allez-y. Merci. Merci.
Et de toutes les manières, si ce n'est sénateur Augustin, c'est l'un de ses frères. Alors, concernant ça, sénateur Belizier Soudiala, qui dit que Guénègue là qui parlait, des sénateurs là qui parlait pour y parler, ils fait 30 minutes à parler. Mais ils viennent là pour y parler. Ils viennent là pour y parler, mais on parole capoté Haïti. C'est bon parole qu'on s'est lié. Nous posons un problème qui est très sérieux que nous, la guerre responsabilité, nous baillons l'autre monde. C'est ça lié. Président. Vous avez terminé, pas vrai? Oui. Très bien. Vous voulez me terminer, président? Oui, quand même, j'ai motion. Président, n'est-ce que vous ne parlez pas long, n'est-ce que vous ne parlez pas court? Il faut quitter me parler moi-même. Dans la prochaine fois. Oui, président. C'est un problème corruption, c'est un problème qui mondial. Même temps, mes collègues ont tout voyagé dans l'autre pays qui a traité la question ça pour que ils permettent institutions dans le pays qui ont responsabilité pour faire enquête, de vraie enquête sur la question. Surtout, ce n'est pas n'importe qui bagage, c'est une question de détournement de fonds. C'est une question de ministre qui a géré l'argent, c'est une question de directeur général. Alors qu'il y a une instance effectivement qui est placée pour ça. Un map de ça, président. Si par exemple des sénateurs dans l'époque là, même le par exemple collègue moi Yuri te vin avec et on demande ou bien un collègue quelqu'un qui m'a dit oriente directement vers la Cour supérieure des comptes et je dis à me passer dossier ça pas table là toujours. Maintenant Mabdou président, il n'y a pas que la question de Petro-Caribé comme acte de corruption dans le pays. Si nous suivons après que la corruption c'est une question qui vraiment gangrène le pays. Ça veut dire nous mêmes tout collègues qui la majorité et collègues qui la minorité. Nous t'arrêtons, mais... Donc, là, sans ça, moi... Je vais demander collègues minorité. Effectivement, nous sommes très sensibles sur le point ça, que nous t'arrêtons, et pour tout le temps, il y a parlé de libre, pour qu'il y ait séance ensemble, pour quitter séance, etc., pour que Jodia nous te ka fini définitivement à question ça. Pendant que nous parler, non, collègue, nous pas dit pour finir avec la question de Petro-Caribé. Nous voulons séance ça, puisque y a une résolution qui votait, que nous tous nous reconnaître qui votait. Jodia nous devine pour nous te faire, par exemple, par rapport à la résolution, nous dit qu'il y a quelques corrections nous voulons faire. Moi, Mabdou, ça. Ça, vote ça, li définitif. Je dis à la collègue, nous connaissons très bien la procédure là qui ça le dit. Si nous avons si une possibilité pour amender la résolution, nous connaissons qui ça pour nous faire. Ce n'est pas le, par exemple, nous mettons et compte rendu séance là, dans l'ordre du jour, nous pourrons aboutir à résultat ça. Donc, dans ce sens, ça, président, nous avons que nous passons pour un pour que définitivement. Pas encore. Pour que définitivement. Eh bien, nous ne pouvons pas classer la question de Petro-Caribé, non. Mais séance ça, nous campons sur lui. Jusqu'à ce que les collègues qui viennent peut-être la conférence des présidents, avec une autre question qui a mis dans l'ordre du jour, là, dans le sens intérêt, et puis nous avons fait débat sur lui. Merci. En plus, dans le sens, nous allons passer au vote pour finir la question. Est-ce que, ensemble, sénateurs qui te prévoient, pour une bonne objection, président. Est-ce que. Pour une bonne objection, président. Vous êtes venu quand même. Très bien. Eh bien, la parole. D'abord, au sénateur Senatus, qui était en gain deux objections. Est-ce que le grand troisième? Je gagne un président. Et ensuite, sénateur Salomon et sénateur Larèche. Président, moi. M'a noté objection, s'il vous plaît. Mande le secrétaire général là pour prendre toute disposition pour prendre acte de objection que le sénateur a formulé. Avec bien sûr, bien noté sénateur qui produit objection. Objection, Madame la Présidente, c'est pour me renforcer en tout premier lieu, sénateur La Tortue, parce que dans l'article 217 règlement intérieur, là, il clairement dit chaque commission d'enquête dispose d'un délai maximum au terme duquel elle doit remettre son rapport. L'Assemblée adopte le rapport par un vote à la majorité absolue. Article 219 l'a dit,
le débat en séance publique. Motion, président, motion. Motion. Allez, motion accordée. Pendant quoi les glam ou les loyaux et sous comment bailleux de fait là, dit 190 d'abonnés tous sous rapport ça, comment t'as de fait tout pour nous garder ces deux lois à parler. Comment pour rapport ça, t'as bon 198, dis-nous pour tout l'île pour nous tous pour le garder. Est-ce que rapport ça l'a parlé pour vérifier s'il était valide? Est-ce qu'elle était faite d'après Jean la loi puisque moi elle sous la loi? Gardez pour nous pour voir s'il était faite dans la loi. Merci. Très bien, de toute façon. Sénateur n'a pas qu'à mander, l'autre sénateur a pour le non, président, il faut lire l'article 56. Le roi a un droit lui-même prendre disposition sous sollicité pour le bail lecture de lui après. Puisqu'il va demander ça, président, m'a continué. Par contre, nous prenons acte et nous permettons que l'Assemblée a pour connaissance de ce qui contenu. Au moins, sénateur a deviné en secret. Au niveau de l'article 198, sénateur. Il va demander mon visa, il va y avoir un compte, il va s'en finir. Sénateur Salomon. Sénateur, allez. Même il faut exécuter votre room. Allez, sénateur. Cabinet. Sénateur, sénatrice. Oui, président. Article 219 lundi. Le débat en séance publique qui suit la présentation du rapport de la commission d'enquête est clos par le vote de toute résolution relative aux propositions contenues dans le dit rapport. Peut-être clos. Objection peut-être non. Clos. Oui. Peut-être clos. Peut-être clos. Oui. Pas un clos. Voilà. Donc, que ou prend peut-être ou un Non, peut-être. Non, on va dire droit ça. Président, est-ce qu'il a ce droit? Vous n'avez qu'à demander la parole? Pas vos paroles. Ou pas, président? Sénateur. Non, allez, non. Vous adressez au vice-président. Non, président, il n'y a pas qui doit parler. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas qui doit ça. S'il vous plaît. Il n'y a pas qui doit ça. Rappelez-la à l'autre président. Non, il est le vice-président. Lorsque le président est là, il n'est rien. La réprimande doit venir du bureau. Allez, continuez, sénateur. D'accord, président. Mais lorsque le président est là, il n'est rien. Il est membre. Donc, président, dans tous les articles, nous l'avons dit, mais comment nous avons fini avec un rapport? Moi-même, moi demandé, même Jean-Sénateur Dumont-Edil, que nous consignions pour nous, que dans le cas, dans deux rapports, l'Assemblée a dépassé outre de l'attribution que le règlement intérieur la balise dans deux articles que nous sommes là. Motion encore, président. Merci. Motion, président. Motion. Allez-y, continuez. Sénateur, sénatus. Démarche visée pour garder si acte nouan les jeunes régularité des formes prévues par le règlement interne. Mais avant de garder ça, de résolution à parler là, si je suis démarche m'oblige à le règlement interne dans tout pour me garder, est-ce que la commission soit à parler là, est-ce qu'elle fait d'après les formes tout? Et c'est article 210 qui dit que son résolution qui était de adopter pour te connaître ce que nous avons fait, pas de résolution. Le règlement ça n'a pas respecté, mais qui est en train de se politique parce que vous n'avez pas respecté ça. Je regrette que vous n'avez pas été dans le Sénat pour te faire ouais, ça, parce que sous l'autre, vous avez fait quand même pour que j'aime mes lois. Je ne vais pas comprendre côté là pour te quitter ça passer pour que j'aime mes droits. Deuxième bagaille, ça a été passé. Rapport, ça va parler là, après résolution, après commission. Rapport, ça va parler là, il dit qu'on s'est tout que l'a signé de président et secrétaire rapporteur. Est-ce que tu es signé par président et secrétaire rapporteur? Est-ce qu'on pas là qui article 198? Est-ce qu'on pas là ça demande au président l'idée article ça pour nous? Est-ce que c'est de principe sénateur ça a parlé ou bien c'est quelque parti qui est intéressé? Lui ça pour nous 198 voilà. 210. Merci. La... Bon, pour qui ça? Côté sénateur Augustin, sénateur, s'il vous plaît, sénateur Dumont. Les résolutions étaient là ou pas te mettre là-dedans? Premier secrétaire. Résolution l'autre jour. Pas nous lecture article 198 là, s'il vous plaît. Vous mettez la résolution l'autre jour. Tout ça, yo. Oh! Article. Côté yo. Article 198. Article 198. Du règlement intérieur du Sénat de la République. Le rapport adopté par une commission doit revêtir la signature du président et du rapporteur et comporter la synthèse des procès-verbaux des travaux, les observations, les conclusions et les recommandations. Il reflète l'avis de la commission comme tel et non l'opinion de chaque membre.
En cas de dissidence, les conclusions de la majorité deviennent celles de la commission et les points de vue des dissidents sont consignés au procès-verbal. Article... Président. S'il vous plaît. C'est moi pour dire qui a dit qui voulait. Non. C'est le président de la majorité. Article 210. Je vais pas nous l'étude. Il préside la séance. Article 210. L'acte de création d'une commission d'enquête prend la forme d'une résolution qui précise petit a, l'objet de l'enquête. Petit b, le nombre des membres de la commission. Petit c, l'échéance pour la remise du rapport. Côté signatif, côté secrétaire, président. Voilà. Côté sénateur, sénatrice, continuez avec votre intervention. Je continue, président. Résolution. Sénateur, sénatrice, continuez. Côté article 198 dans la résolution. M'a continué. Article 198 dans la résolution, non? M'a continué. S'il vous plaît, sénateur Dumont. Objection qui produite par sénateur Sénatucio, demandez secrétaire général là, continuez. Notez pour nous, s'il vous plaît. Je pour me dire, même reproche, sénateur qui dans la majorité ou fait à rapport, c'est des reproches qui t'es prendre en compte en dans résolution que vous faites. Et dans la fin résolution, vous t'es qu'à décider pour rejeter les deux rapports. Tenez bien, président. Nous, tous qui là, c'est gros timoun noyé pour ne pas dire nous c'est grand monde. Nous devons camper face à responsabilité nous et remplir attribution avec loyauté. Bonsoir, président. Avec nous pas une émotion encore. Ah, c'est faut au moins il y a plus d'émotion s'il vous plaît. Nous respecter principio non. Président, toute œuvre que n'a produit ici là. Maintenant, président, quand tu es docteur, tu es avocat. Tu es avocat, tu es avocat, tu es avocat. Président. Président, monsieur, tu es avocat, tu es président. Ah, docteur, monsieur, tu es avocat, tu es avocat, président. Je voulais vous collègues comme ça, président. Hein? Parce que moi, je ne suis pas tué, tu es avocat, tu es avocat, tu es avocat, tu es avocat. Président, je suis là. Je vais prendre tout le monde pour me valer, je vais le président. Vous quittez le parler, président. Allez-y, c'est à tous. Chire Kaye, pas vous dire. Ça va dépendre de qui. Ça dépend de combien de cas il me s'il vous plaît. L'acteur sénatus, vous avez l'avocat. Sénateur sénatus. Président, sénateur Foucault, dit acteur sénatus, libre la parole que vous m'avez fait théâtre. M'a dit à sénateur Foucault, théâtre, c'est l'école où on apprend à faire ça. Oui. Sénateur, c'est l'école où avant nous avons. Président, je suis frappé de Nats, président. Président, je suis frappé de Nats, président. Et moi, c'est quoi, tel monsieur, qui est le sénateur à parler, non, monsieur? Allez-y, sénateur. Président, moi, content, sénateur Augustin, parler de combien de monde qui décide un rapport avec sénateur Beauplan. Mais sénateur Augustin est un peu arrivé au Tijanta dans la question rapport ça. Lorsque l'Assemblée a pris une décision pour approfondir le rapport, il a été pris un sénateur Beauplan parce qu'il a estimé dans le moment sénateur Latortue était qu'à faire un travail qui était un peu de tendance. Il a dit puisque tendance sénateur Latortue, pas tendance sénateur Beauplan. Eh bien, il a pris vos plans pour approfondir, pour qu'il mette un certain équilibre dans le travail. Là. Et là, ça, président,
à regarder le rapport, sénateur Latour, tu as pour combien de monde qui te signe. Tout le monde qui te signe, c'est le monde qui te même tendance, il n'y a pas de tendance contraire. C'est ça d'ap chercher avec rapport d'approfondissement. Malheureusement, sénateur Augustin, pas t'ap suivre l'actualité à l'EA, il n'y a pas de connaître. Maintenant, président, je parle de résolution. Ou dit, fermez j'aime, fermez n'aime, valez le glotte, même les la mer. Mais il faut que vous songez que le sénateur Augustin, c'est lui qui te dit, c'est cela, pas bon. Il n'y a pas de penser si c'est pas bon. Il n'y a pas de connaître si nous violons les règlements intérieurs là. Donc, son erreur qu'il reconnaît. Mais si nous faisons erreur, il dit, président, erré est tu même dit, il dit, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Maintenant, si vous voulez persévérer dans votre erreur, à partir de jeudi, on va comprendre, l'un t'a prié tout à l'heure, on va comprendre ça, on va faire, parce que c'est des diables qui ont prié. Président, la cour, faut que l'Assemblée a décidé, faut que l'Assemblée a dit, suivant le règlement intérieur, là, qui ça le fait à rapport. Je n'ai aucune prétention que le vote que nous prenons là, en faveur à rapport, d'une façon ou l'autre, ça va ça pas moins. Mais seulement, l'article a dit, faut qu'on termine avec un vote sur rapport pour nous dire qui ça ne fait avec. Mais je dis à la président, c'est comme si nous quittions rapport, nous tous n'avons couru. Nous pas voulu enterrer, nous pas voulu lever, et nous tous n'avons fui responsabilité nous. Nous t'avons aimé que nous votions pour nous dire, nous te saisis par un rapport, rapport à qui force côté, rapport à qui tel critique que nous faisons avec, nous reprochons aussi, nous reprochons ça, et même les décisions nous prenons. Et c'est vous, la majorité, qui allez décider. Président, très bien. La Cour supérieure des comptes, non, bête que sénateur Auguste Tabayla avec sénateur Bélizer, malheureusement, pas seule instance dans le domaine ça qui travaille sous question n'a pas débattu là. Yo, monsieur, on dit, président, yo dit c'est la Cour supérieure des comptes, mais constitution ça a été adoptée en 1987. Après 1987, il y a des textes de loi qui sont adoptés, dont le texte de loi de 2014 sur la corruption. On n'est pas en train d'instruire une question de gestion administrative. Et bien, ça qui intéresse moi-même, ça qui intéresse le président, c'est que dans l'acte administratif qui t'a posé, il y a des actes de corruption qui posent là-dedans, et que la loi de 2014 dit, depuis qu'il y a un acte de corruption, c'est pour appliquer la procédure qui est applicable en matière de blanchiment des avoirs. Oh non, blanchiment des avoirs, c'est le juge d'instruction, c'est lui-même qui met l'instruction ça. Ce n'est pas la Cour supérieure des comptes. Maintenant, vous voulez au moins, la majorité, c'est sûr, va trancher. Mais, président, ça me veut attirer attention sous lui, c'est que la foule n'a pas toujours raison. Ça foule la petite à la, c'est pas ça. Quand tu prends le président, non, non, sénateur, dit, sénateur, nous avons affaire à une assemblée de sénateurs. Je vais. Pas la foule. Oh, non, assemblée à la foule. Merci bien. Non, pas de problème. Assemblée non, assemblée à la foule, oui. Non, assemblée à la foule, président. Non, une assemblée de sénateurs. Ouais. Bon, non, assemblée à la acteur et spectateur. Non, non, tous ces acteurs, président. Non, sénateur, il n'y a pas acteur. Président, non, tous ces acteurs. Il y a qui était chez Zadé. Acteur dans le sens de ceux-là qui agissent. Non, non, tout d'abord, président. Président, c'est pas ceux qui jouent. Non, tout d'abord. Sénateur, s'il vous plaît. Sénateur, s'il vous plaît. Président, conclue, conclue, s'il vous plaît, sénateur et sénatus. Ma conclue, président, vous me dites. 217. Article 217, la claire. 219, la claire. Et me t'a remis à titre d'objection. Non, mettez-le pour moi. Que l'Assemblée a accepté ou refusé décider suivant ça, règlement intérieur là, il dit. Deuxième objection, non, c'est rien encore, président. Nous avons aimé que nous mettions note pour moi que le sénateur Augustin, président de la majorité au Sénat, lui reconnaît que séance 1er février est une séance irrégulière. Parce qui que qui l'a dit ça, président? Parce que qui l'a dit ça, président? Non, ma président, qui l'a dit ça, président? Regardez, est-ce que sénateur président qui l'a dit ça, président? Est-ce que me fait le confiance président qui l'a dit ça, président? Mais là,
Est-ce que oui ou non, je dis ça? Président, est-ce qu'il a la parole? Non, est-ce que... Qui a la parole? Au niveau de cette séance, il va me dire. Président, qui a la parole? Mais c'est pour nous répéter là. Qui est-ce qui a la parole, président? Pour nous répéter... Sénat, docteur, ça prend la parole, je le voulais. C'est pas docteur. Merci. Regardez, monsieur le président. Sénateur. Je conclue, président. Je conclue. Président. Président, moi, j'ai sénateur commencé aujourd'hui. Oui. Sénateur. Allez, conclue, s'il vous plaît. Et la part du secrétaire général attend un bon moment pour me dire qui ça que vraiment m'a permis de nous autoriser, nous prendre acte en tant que président bureau. Allez, sénateur. Président. Je conclue, président, pour dire que nous devons accepter ou rejeter le rapport là. C'est ça, le règlement intérieur l'a dit. Président, pas vrai que nous quittons avec œuvre que nous faisons déjà là, yo, sentiment par la population, que chaque monde a essayé de couvrir ce groupe de monde pas dans la question Petro-Caribé. Les papes, bon président. M'entend le sénateur Delvalle, il a parlé, il dit que les gens qui l'a quitté dans la gagote, l'argent Petro-Caribé. Il dit, les cités non ancien président. Nous-mêmes, ne travaillons pas nous. C'est quel que soit le monde qui est dans l'argent Petro-Caribéa, même Jacques Moun qui a mangé cabrit de son, c'est pour eux prendre cabrit là. C'est ça nous voulons. Maintenant, pour nous faire travail pas nous, l'important, président. Conclue, s'il vous plaît. Je conclue pour dire, ouais, parce que vous, pour me seulement rappeler, très très long, que nos non, résolution 1er février, nous disons que nous prenons dans la soirée du 1er février. Nous voyons là-bas, la Cour supérieure de compte, ça ne pas même mettre un délai pour le travail. Nous pas dit ça nous fait un rapport. Hein. Nous pensons là, nous fuyons l'attribution nous comme sénateurs, et ce n'est pas bon pour nous avoir un comportement comme ça, parce que grand monde était grand monde. Très bien. Sénateur. Merci, président. La parole au sénateur Salomon. Merci beaucoup, monsieur le président. Distingués membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée. Durant tout débat que tu as fait, sénateur Salomon, de faire silence. Il y a des gens qui peut-être t'a demandé côté le théier. Monsieur le Président, silence moyen, je l'ai dit en pile bagaille. Le silence en politique est une arme beaucoup plus dangereuse que la bombe atomique. Monsieur le Président, objection PAM. Tout d'abord, c'est le fait que la commission travaille pour le compte de l'Assemblée. Donc si la commission travaille pour le compte de l'Assemblée, Assemblée en douée. Monsieur le Président, nous demandons pour que vous gagniez un minimum de sérénité dans la salle-là. Bien sûr. Puisque la commission a travaillé pour l'Assemblée, l'Assemblée a rien pour devoir automatiquement que la commission a fini de travail, il doit statuer et sanctionner le rapport que le produit a. Or, ce que nous avons constaté, c'est que le Sénat, finement des commissions en travail, et puis rapport que la commission en produit, le Sénat rejeté, capable de dire rejeté, ou bien voyez la poubelle purement. Monsieur le Président. Monsieur Accordé. Sénat pas rejeté, ou bien voyez la poubelle rapport. Il est confié avec institution que la Constitution mettait pour ça, les cours supérieurs des comptes, pour faire travail là. Et il faut être clair dans cette population, que tout le monde ne va pas induire dans l'erreur. Le Sénat n'a pas rejeté le rapport là. Le Sénat n'a pas ignoré le rapport là. Le Sénat a fait une résolution et à travers cette résolution, il demandait pour cours supérieurs des comptes pour annoncer comme institution qui est reconnue par la Constitution sous question. Ça c'est eux. Ça c'est eux. Je parle. S'il vous plaît. Et j'ai parole, président. Deuxièmement. S'il vous plaît, sénateur Jacques Sauveur. Et j'ai parole, deuxièmement, président.
le rapport du sénateur La Tortue n'a pas été voté ici au Sénat. Vous êtes là pour vous dire là-haut, qui battent là-haut, qui pas qu'on est au fond de paix pour l'entendre. Le rapport du sénateur La Tortue n'a pas été voté au Sénat. Il n'est pas sanctionné. Ni, il n'a pas dit ni bon, il n'a pas dit ni pas bon. Tout simplement, il y a 4 à 5 personnes, parmi lesquelles moi-même, nous avons été là dans le tribunal, nous avons dit que le rapport-là, tu as supposé approfondir. Et puis, plus ou moins, il est tranché après intervention 4 à 5 personnes. Mais l'Assemblée n'a fait pas voter. Jodhia, ça la fin de femme comprendre là. Salomon, tu étais là, c'est à toi Salomon. Collègue Salomon, tu étais là. Qui ça la fin de femme comprendre Jodhia là? Et bien, il fait que tout simplement approprié, sous une pratique qui était gagnée dans le Sénat. Jodhia, le repos du pratique là. Gagné au précédent, et c'est sous base précédent ça justement, nous est venu pour nous faire ça, nous faire Jodhia là. Pas de qui a dit le contraire de sa président, que le rapport La Tortue a été sanctionné au niveau du Sénat. Il y a eu 4 ou 5 interventions au niveau de cette tribune, et au terme de ces interventions, il a été décidé par le bureau que le rapport là, ils ont demandé, bureau a approfondi. Mais ce n'est pas l'Assemblée qui avait voté. L'Assemblée n'avait pas voté. Pas fini, ça me comprend ça là, je dis. Très bien, continue. Vous terminez, sénateur Salomon. Je n'ai même pas commencé, monsieur le président. Continuez, excusez-moi. Je continue. Sénateur Salomon, à la parole. On a voté l'approfondissement. Oui, ça veut solliciter la parole même. On a voté pour l'approfondissement. Merci. Sénateur Salomon, vous avez la parole. Sénateur Salomon, s'il vous plaît. Sénateur Salomon, s'il vous plaît. Sénateur Salomon, s'il vous plaît. Sénateur Foucault, asseyez-vous, s'il vous plaît. Sénateur Salomon, continue, s'il vous plaît. Le calme est revenu, sénateur Salomon. Vous pouvez continuer. Sénateur Salomon, on ne peut pas le gros silence de cimetière quand même pour continuer à intervenir. Sénateur Cantave et sénateur Larèche. Procès verbal, là, compte rendu de séance, là. À n'importe quel moment, nous sommes capables de consulter. Parce qu'il y a un chiffre là. Merci. Très bien. 23 août 2016. Alors, on encourage tout sénateur, que ce soit dans un mois, dans deux mois, dans quatre mois, ou bien n'importe qui l'heure, on doit le consulter, séance ça, pour le fait 23 août 2016. Sénateur Salomon, continuez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le président, le gain en collègue sénateur, cap parler, cap bailler au point de vue, faut que l'autre collègue, il y a un minimum de décence pour que vous tendez sa collègue là-dessus. Oui. Nous avons dit tout à l'heure que objection pas moins, c'est que la commission travaille pour le compte de l'Assemblée. Et l'Assemblée, en retour, a pour devoir de sanctionner le rapport produit par la dite commission. Or, nous avons constaté avec amertume et désolation que l'Assemblée des sénateurs a fui ses responsabilités. Maintenant, monsieur le président, mon collègue Augustin tout à l'heure dit que
Eh bien, il faut nous quitter instance qui doit faire travailler, fait travailler. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais cependant, ça a passé en Haïti, hein? L'a passé tout dans plusieurs autres pays dans le monde. Là. Et c'est un dossier à l'ordre du jour, un sujet d'actualité à travers le monde entier. Et nous, dans tout pays, ça a eu, c'est la justice qui fait chemin. Cette majorité a chaud. Regardez, vous êtes chaud. Allez-y, continuez, s'il vous plaît. Oui, on cap continuer, président. Continuez, s'il vous plaît. Sénateur Kettler, asseyez-vous, sénateur Kettler. Sénateur Kettler, sous bon plan, on va besoin de vendre mèche là. Bon, si sénateur continue à faire des ordres, on va obligé de faire. Non, applique. Appliquer règlement. Appliquer règlement contre sénateur Sayo. Les fauteurs de troubles. Sénateur Sénatus, vous avez la parole. Salomon. Sénateur Salomon. Merci, sénateur Salomon. Ah. On t'a même parlé toujours. Sénateur Salomon, continuez s'il vous plaît. Président, où est le sénateur Yuri Vindem là? Nous allons mettre. Il faut que nous mettions dans le règlement intérieur. On s'arrête les whip. En façon pour que le sénateur a fait des ordres. En façon pour demander whip pour yo. Fait œuvre qui vaille. Surtout pour ça. Ah, tout sénateur que j'ai fait, l'obéi, il m'a aimé, whip. Continue, sénateur Salomon, merci. Malheureusement, monsieur le président, ambiance n'est pas vraiment favorable au débat à fait. Mais m'a continué quand même. Sénateur Salomon. Monsieur le Président, sénateur Augustin se dit tout à l'heure. Monsieur le Président, deuxième motion. Deuxième et dernière motion sur l'intervention du sénateur. Sénateur Salomon, mon collègue, mon frère, mon ami, se dit tout à l'heure que le sénateur a fui responsabilité parce que vous êtes supposé sanctionner le rapport là. Je bon. Dis clair, mon président. Que... S'il vous plaît, mon téléphone qui ouvre là en vidéo est très fort. Je demande un téléphone ça qui est en vidéo que la joué. Merci. Je dis, sénateur président, loin de fuir notre responsabilité, nous fait que accommoder nous à l'article 219 des règlements intérieurs du Sénat. Si vous l'avez, 219. Et article 219, la présidente dit, le débat en séance publique qui suit la présentation du rapport de la commission d'enquête peut être clos par le vote de toute résolution relative, etc., etc. C'est ce que nous avons fait, président. Nous avons fait une résolution suite à la présentation du rapport. Nous clonons par une résolution, président. Donc, on n'a pas fui notre responsabilité. Au contraire, nous avons assumé notre responsabilité à travers la prise d'une résolution, président. C'est ce que je voulais dire. S'il vous plaît. Reprendre lecture article ça pour moi, s'il vous plaît. Article 219, président. Non, c'est en nuit là. Monsieur l'avocat, taisez-vous. Non, c'est en nuit là. Monsieur l'avocat, taisez-vous, monsieur l'avocat. Oui, mais l'argument le débat, est très solide. Le débat en séance publique
qui suit la présentation du rapport. S'il vous plaît, sénateur, sénateur Augustin, permettez que le collègue là, au moins, lit l'article là pour tout le monde édifié. Le débat en séance publique qui suit la présentation du rapport de la commission d'enquête peut être clos par le vote d'une résolution relative aux propositions contenues dans le dit rapport. Nous avons fait justement une résolution, président, au terme de la présentation de ce rapport. Cela veut dire que nous n'avons pas fui notre responsabilité. Nous nous sommes assumés par rapport à ce rapport, eu égard à l'article 219 des règlements intérieurs du Sénat. C'est ce très que bien. Je voulais préciser. Merci. Veuillez noter pour nous, s'il vous plaît, l'intervention, sénateur. Voilà. Merci. Ok. Merci bien. Dewa prend acte. Merci. Sénateur Salomon, pour conclure, s'il vous plaît. Sénateur Salomon, mais vous ne pouvez pas bloquer. Il faut intervenir, il faut conclure au moins. Monsieur le président. Maintenant, toute assemblée, pas qu'on ait un seul sénateur qui parle ici, à qui a un silence de cimetière dans la salle là pour intervenir. Pas qu'on ait une seule fois sa fête. Et surtout sous, il y a une bonne chance même. Monsieur le président, je ne vais pas faire un silence de cimetière. Même pas qu'à parler dans le vide. À chaque fois que je prends la parole, collègues perturbés moi. Mais je permets que le sénateur intervienne effectivement et fait valoir point de vue là. Dans le calme et la sérénité. Sénateur Salomon. Sénateur Salomon. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, au cas où l'État a déclaré tête-li compétent pour lui statuer sur le dossier corruption, sénateur Augustin se dit tout à l'heure, le SA, Sénat, Jean Constitution dit là, avec l'autre instance d'un parlement, pour aller ériger l'en haute cour de justice. Mais écoutez, monsieur le président, oh, c'est soit ce qu'on dit à l'heure, oui. Je vais me interpréter. Tout à l'heure, on parlait de la haute cour de justice. Or, nous pas capables de parler de haute cour de justice dans le dossier ça, parce que ministre et directeur général, ils n'ont pas en fonction. Monsieur le président. Monsieur le président. Allez-y, sénateur Foster. C'est là. Combien il y a eu déjà d'objections et de motions sur l'intervention du sénateur Salomon? Non, mais sénateur Foster, vous ne pouvez pas intervenir. Sénateur Salomon, continuez. Ce sont toujours les mêmes S. Les S. Même là, la Cour supérieure des comptes t'a acheminé un rapport ou bien une conclusion sur le dossier corruption. Là encore, c'est la justice qui va le trancher. Et monsieur le président, vous avez l'impression, collègue l'homme le fait comprendre, que résolution qui prend à la sauvette et en catimini, eh bien, nous pas capables de retourner sous lit. Mais, monsieur le président, chers collègues de l'Assemblée, résolution pas gagnée, force de loi. Li pas gagné force contraignante. Et de ce fait, l'Assemblée, les sénateurs peut faire et défaire. L'Assemblée des sénateurs peut faire et défaire. Surtout lors de l'illégalité. Et monsieur le président, vous avez été honnête avec vous-même.
Il y a d'autres collègues présents lors de cette fameuse séance qui a accouché cette fameuse résolution qui reconnaissent que vous faites erreur. Bon, même qui était là, y compris a fortiori le président de la majorité. Monsieur tellement mal fait. Il va voter. Monsieur fait abstention. Sénateur, sénateur, encore une fois, je fais un rappel pour me dire que nous avons intervenu pour nous produire des objections. Oui, parce que nous avons besoin pour un acte d'objection. Oui. Il faut le formuler. Oui, président. Monsieur le président. Sénateur Salomon. Non seulement je formule objection maintenant, in limine litis. Et de précis dans ça me dit. Moi-même, ça qu'a fait là. Waouh. Ça qu'a fait là, il pas fait honneur. Bon, finalement, je ne vraiment pas qu'à continuer parce que très bien, on ne peut pas permettre que je finisse. Très bien. Eh bien, on. Pas possible. On passe la parole à. Non, vous continuez. Non, mais, ou bien? Pas... non, mais je conclue. Ah, mais conclue pour nous, s'il te plaît, sénateur. J'ai noté sénateur Salomon comme dernier intervenant. OK. Bon. Aux objections, alors préparez objection parce que nous ne pouvons pas faire littérature. Vraiment. Merci. Non. Bureau a gagné l'heure tout pour le décider tout. Parce que vous êtes dans le Sénat ici, vous êtes siégé là comme président. Et vous êtes tranché. Merci. Oui, pour terminer, monsieur le président, il n'y a pas fait honneur à Sénat, particulièrement à nouveau bureau 1. Faut que séance soit faite en bonne et due forme. Si c'est séance 1er février, on t'est faite en catimini, qui sont problèmes. Nous considérons comme un serpent ou couleuvre que nous pas cavaler. Et yo dit la meilleure façon de tuer un serpent, c'est de lui couper la tête. On nous coupe tête serpent ça que n'a forcé mon valéa. Je propose monsieur le président. Merci beaucoup. En plus alors, de objection maintenant. Pour que l'Assemblée a retourné à la case départ, on nous fait table rase de résolution ça. Et, map dit nous ça, dossier pétro-caribéen, c'est une roche que nous lançons. Quel que soit ça nous fait, côté pour le tomber, hein, l'a tomber quand même. Merci beaucoup. Président, il faut préciser oui, président. Que c'est un sabbat pendant 4 minutes, président. Je dis, il faut que vous portez précision, président. La porte est précision. C'est en 4 minutes. La porte est précision. En 4 minutes. Merci. Nous sommes en 4 minutes. Sénateur Larèche. Sénateur Larèche. Oui, merci. Merci, président. Chers collègues, un peu de silence, s'il vous plaît. Faites entrer les sénateurs pour nous, s'il vous plaît. Oui, président. Huissier. Merci. Huissier. Faites entrer les sénateurs pour nous, s'il vous plaît. Il y a quoi, président? Merci. 2, 4, 5, 6, 7. Et minorité à Cap Bocorp, monsieur le président. Faites entrer les sénateurs pour nous, s'il vous plaît. Continuez avec ça. Oui, merci, président. Président, question corruption, hein, c'est une question transversale. Les objections, s'il vous plaît. Objection, les objections, maintenant, président, moi dit résolution. Alors, séance qui était faite 1er février, hein, liée en violation de l'article 65 du règlement intérieur du Sénat. Noté pour sénateur. Ensuite, lisez pour nous l'article 65. Si l'en violation de l'article 65, il faut lire pour nous. Merci, président.
Je fais lire pour vous. Allez, c'est pour premier secrétaire. Article, article 65. Ah. Merci. L'ordre du jour tel qu'amendé par l'Assemblée, huissier, une fois adopté, ne peut être modifié. Merci. Ensuite, Président, l'article 220 et 221. Parce que nous transmettons résolution, nous allons avoir le rapport. Par le président pour le publier dans le journal. Non, ça... 220. 220. Lisez pour nous, s'il vous plaît, premier secrétaire. La résolution visée, article 220. Mm-hmm. La résolution visée au précédent article et le rapport de la commission d'enquête sont transmis par le président, oui, président, du Sénat aux autorités compétentes pour la suite nécessaire. Merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si et seulement si, si et seulement si, il est adopté par l'Assemblée des sénateurs. Parce que je dis. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La résolution qui a été adoptée. Monsieur, s'il vous plaît, m'a transmettre en résolution. OK? M'a promettre en résolution. Ne me demandez pas, en tant que président du Sénat, pour introduire un document. Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le sénateur, monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur, m'a gagné pour me transmettre en ampliation de la résolution. Merci beaucoup. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Oui, merci beaucoup. Président, vous pouvez continuer. Notez pour nous l'objection formulée par le sénateur Larèche. Merci. Président, pour votre gouverne. Non, j'ai noté pour vous. J'ai noté. Je n'ai pas. S'il vous plaît, sénateur. Sénateur, ancien président. Je n'ai pas gagné pour me débattre avec vous de sa position. Non, président. Non, c'est ce que je te dis. Oui, non, c'est ce que je te dis. Non, il va gagner ça. S'il vous plaît. Il va faire discussion avec vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le président. S'il vous plaît. Il ne peut pas aucun cas. Réglementaire. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Oui, peu importe. S'il vous plaît. Oui, président. Moi, répétez samedi, sénateur, ancien président. OK? Merci. Notez pour nous, ça, sénateur, gagne produit comme objection. Oui. Merci. Troisième objection. Président, vu les articles 217, 218, 219, 220, 221 du règlement intérieur du Sénat de la République, c'est en fonction de visa que vous mettez dans la résolution, vous mettez l'article 220 là-dedans, qui fait que moi-même, moi dis, article 220, nous mettons dans la résolution, il n'est pas respecté le règlement intérieur. Parce que le règlement intérieur a parlé de résolution et de rapport. Parce que nous transmettons la résolution, mais nous ne pas remettre le rapport là. Ensuite, président, 221. Article 221 du règlement intérieur du Sénat. Ça va? Vous avez terminé. Vous avez terminé. La commission d'enquête cesse d'exister à la clôture du débat visé à l'article 217 ci-dessus. C'est-à-dire l'article 217 là, comme sénateur sénatus, t'es gain t'en fait objection sous lui. Moi pas besoin de retourner sous lui. Merci. Merci, président. Ma pote de précision. Je dis que moi-même, je vais pour me débattre avec un sénateur. Le rôle, moi, c'est qui ça, c'est bailler la parole, c'est mettre l'ordre et faire en sorte que m'appliquer à la lettre règlement intérieur. Je ne veux dire, tout acte législatif, de quelque nature que le cahier, qui est adopté en assemblée, le rôle, moi, c'est transmettre à qui de droit, et bien dit, qui est adopté par l'Assemblée des sénateurs. Tout acte législatif qui est adopté par l'Assemblée des sénateurs, je n'ai pas gagné pour me faire de lui un document officiel. Par contre, il a été disponible dans les archives du Sénat pour tout le monde qui voulait ou bien qui supposait consulter. Troisièmement, il n'y a pas eu de séance en catimini. La séance a été publique. Et séance a été faite presque même l'heure avec séance ça que nous avons fait là. Et toute déclaration que objection qu'un sénateur fait, nous consignons le procès verbal pour que l'histoire
retenu que il y a des sénateurs qui ont des positions dissidentes dans toute assemblée politique qui ont des contradictions qui ont traversé. Eh bien, vous avez une position dissidente par rapport à un sujet quelconque qui a débattu dans le Sénat, tant que débat qui a fait après-midi à la. Tout sénateur qui t'a demandé la parole, il y a une occasion pour me bailler. Nous avons demandé à tout sénateur qui est d'accord avec le rapport succinct que nous avons présenté à Bayo et qui lit et qui débat ici en assemblée et qui te permet que l'assemblée a prononcé en faveur d'un vote pour une résolution. Ceux qui sont pour, levez la main s'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Rapport succinct qui gagne rapport qui gagne à ouais avec résolution qui est adopté ici à sous rapport Petro-Caribéen est adopté par 14 voix pour 5 contre et une abstention. Va permettre que nous profiter de circonstances là pour nous annoncer assemblée sénateurs que gagne y a ensemble de monde qui sur les réseaux sociaux, plus particulièrement Facebook, qui a utilisé non sénateur, et plus particulièrement non président sénat, pour dire que vous avez des bourses d'études que vous mettez à la disposition, il faut que vous payez $600 pour être capable de faire bénéficier des bourses d'études. Question ça, sont questions répétées souvent à chaque fois qu'un président sénat monte. Vous faites le soudain. Il a fait le président de la tortue, il a fait sous plusieurs autres présidents. Alors, il a continué à faire sous moi. Je profite de l'audience que j'ai là pour me capable de dire tout le monde prudent parce que son équipe, mon cap arnaqué, cap volé l'argent. Mais ici, dans le Sénat République, plus particulièrement président Sénat, il n'a pas gagné des bourses d'études lui-même, ni tout quoi, il n'a pas demandé mon pour poser aucun acte ou bien pour faire bénéficier quoi que ce soit. Alors, m'a dit aux prudence et que Mounsa qui utilise un faux page Facebook pour dire apparemment que Mounio m'a attiré l'attention de tout le monde et tout le public là pour que vous informez, pour que vous ne pas répéter, que vous ne pas quitter Mounio pour un piège, que vous avez un visa, bourse d'études pour $600. C'est question ça que vous avez besoin d'attirer l'attention de nous. Prochain point à l'ordre du jour. Question, point 4. Point 4 à l'ordre du jour. Question d'intérêt général. Président. Sénateur. Question d'intérêt général. Sénateur Franstein. Président, ça fait quelques jours. Il y a gagné un agronome. Malheureusement, oublié Noni qui était intervenu et la nouvelle matin sur Radio Caraïbe et qui fait qu'on a gagné une maladie qui tombait sous pied coco et nous. Sous pied coco et nous. Et c'est une maladie qui a allé avec tout pied coco et après qui a même attaqué l'autre pied bois. Et nous pas spécialistes dans le domaine, mais son nouvelle qui est très, très inquiétante. Et je pense que l'ensemble ça, nous avons relé technicien, ministre, agriculture, pour nous débattre de questions ça, et ouais, et qui mesure et qui est capable de prendre dans ce sens ça. Parce que nous avons déjà de gros problèmes dans le niveau environnement. Maintenant, si nous avons une maladie en plus qui est capable d'attaquer pieds bois, nous, je pense que président, ça capable très grave. Au pays. Bien, nous prenons notre sous ça et nous prenons disposition dans ce sens-là. Nous avons demandé au président de la commission agriculture là,
pour l'État essayer de garder ensemble avec le ministre de l'Agriculture qui est le meilleur moment et qui est meilleure façon de aborder la question. Nous sommes toujours au point 4, question d'intérêt général. Président. Sénateur Kettler d'abord, ensuite sénateur Dumont et après, enfin, le sénateur Cantave. Monsieur le Président, de... Je veux dire que le problème n'a touché déjà avec le ministre. Nous avons un rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour commencer le travail sur ça. Oui, on va, je vais prendre en charge l'invitation. Invitez le même dans le Sénat parce que nous n'avons pas senti ça qu'a fait dans le domaine de l'agriculture. Oui, mais monsieur. Et le sous-base agriculture, je ne sais pas. Moi-même, il faut que l'invite. Très bien. Contacté au fait déjà et monsieur Abla la semaine prochaine. Sénateur Dumont. C'est appuyé, m'a pas appuyé, proposition sénateur Denis Husslan. Parce que, à la vérité, ce n'est pas Kounia problème qu'on a posé. Alors, ou même c'est un technicien qui a fait agriculture, président, ou certainement c'est ou même pour qui ba nous le sont la dernière, mais comme nèg Léogane, nous connaissons bien, ça a eu les cocos nuchifera. Cocos nuchifera, dépérissement foliaire, les dévorer cocoyeyo, mais ça qui fait mal, et que sénateur Augustin pratiquement bah, on crie du cœur là, c'est que là nous avons des problèmes sérieux, c'est même bagarre pour citron tout. On ne peut pas croire que il y a une dans là qui est capable de dire que la caillou, il n'y a pas ouais, il a perdu, il y a un pied citron, deux pieds citron. Et tout le temps, gagner problème ça dans plante, dans faune, pardon, dans la flore haïtienne. Non? Et puis, c'est comme si pas de responsabilité. Et c'est bien, moi, pensé, pour nous recevoir, ministre de l'Agriculture, là, on n'a pas parlé d'un paquet de l'autre bagaille, compte tenu du danger qui a attaqué 550 flore noire, qui fait que cocoyer c'est République Dominicaine n'a pas acheté. Merci un peu. Ça, toi, Kettler. Merci, Président. Je profite de l'opportunité, ça, Président, pour nous annoncer que la Commission réforme constitutionnelle, là, jeudi, n'a pas eu une conférence de presse dans le Sénat pour nous capables de lancer les travaux de la Commission. Et c'est une activité que nous avons prévue en l'honneur de 29 mars, là. Et nous connaissons Chambre députée à avancer déjà sur lui. Nous-mêmes, commission, nous allons commencer. Et pour remercier tous les sénateurs qui étaient présents, au sénateur Yuri, sénateur Jawenel, Dieu donne, tous les sénateurs qui étaient Sorel, et quant à tous les sénateurs qui étaient présents, la rèche, pratiquement tout le monde était là. Je dis que nous comptons sur eux en pile pour faire travailler ça, parce que nous sentons que la commission a un paquet de monde qui a pile expérience tout. Donc, jeudi, nous avons une conférence de presse, et la presse déjà invitée pour nous lancer les travaux de la commission, n'a pas peut-être gardé les grandes orientations que nous avons mis à amendement bail parce que nous déterminés pour nous faire un bagaille qui était pour la postérité, pour nous garder comment nous adresser problème instabilité politique dans le pays et tout bagaille qui empêchait que tout bagaille qui empêchait que le pays avance. Donc nous très ouverts, grand pile faiblesse qui identifiée. Mais nous-mêmes, nous prenons responsabilité nous, pour que c'est nous fassions un homme d'État pour nous quitter un bagage pour le pays. Merci, Président. Sénateur Kettler. Sénateur et 10 heures du matin. Et Président, je vais profiter de mon début pour que, justement, après tout effort que, au niveau de la Commission de santé, nous avons fait pour que nous ayons une loi pour nous mettre pour nous voter. D'autant plus, nous voyons ça qui s'est passé, puis il y a une pile de difficultés en termes de santé. Eh bien, nos grandes lois que nous avons déposées là, ça fait près d'une année, la loi sur la couverture universelle en santé. Et loi ça, nous avons accepté, nous avons recevoir ici déjà. Collègues, nous avons voté. Et nous faisons des tournées à travers le pays. Nous faisons tourner dans le nord, dans le sud, au niveau de l'Artibonite. Nous faisons tourner au niveau du nord-ouest, et nous recueillir en pile matériaux, nous enrichir loi, nous bonifier, nous peaufiner. Et une prochaine, si je veux, je t'en remets que
pour nous mettre loi au vote au niveau de Sénat. Et il y a une autre loi aussi, Président, c'est la loi sur la réforme du secteur santé que nous-mêmes, sénateurs Cantave, avec commission, ont déposé. Nous avons devant à l'heure qu'a traversé le pays à nos affaires santé. Nous avons pour que collègues rapidement nous penchent sur la loi SAO pour que nous puissions transformer ce qui doit être transformé, révolutionné, ce qui doit être révolutionné en termes de santé au niveau de ce pays. Merci. Sénateur Larèche. Merci, Président. Président, intervention maintenant, c'est sous question et haïtiens qui vivent en République dominicaine. Yo. Et nous tendons à travers les réseaux sociaux et en pile des gars qui fait et dans le département de la CAO, même au niveau pédénal. Je pense que nous-mêmes, comme sénateurs, il faut que nous-mêmes nous gardions et qu'on ait question à s'allier. Est-ce que ça a circulé sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est vérité concernant des haïtiens ou massacrés, des gens qui mourent? Sénateur Foucault, finalement, au minimum, oui, mais m'a parlé, il faut faire silence. Oui, Président. Je pense que au moins faut que nous-mêmes nous gagnions des informations concernant ce qui a passé au niveau pédénal. Ensuite, et nous t'ai parlé sur question journaliste qui ont été disparu au niveau des Grand Ravine. Je pense que nous-mêmes comme pouvoir, on branche dans trois pouvoirs. Je pense que faut que nous-mêmes nous surtout au niveau commission communication. Il faut que nous-mêmes nous gagnions au panneau pour nous dire dans ça tout. Et il faut que nous-mêmes nous ne pas arrêter sous silence, nous, parce que et la presse, si on a support que nous gagnons dans toute activité politique et sociale que nous avons fait. Ensuite, c'est en concernant les jeunes, surtout qui ont quitté le pays, qui ont pris le Chili, c'est vrai qu'il y a des décisions qui prennent au niveau Chili qui interdit pour venir.